Située à 50 km de Bamako, la capitale, Sibi dans le Mandé profond est connue depuis des siècles par ses sites historiques de l'Empire du Mali. Parmi ces lieux historiques figure en bonne place le puits sacré de Tabou. C'est sur ce puits que Sundiata Keïta et Soumangourou Kanté ainsi que d'autres combattants de l'Empire ont prêté serment. Explique le guide d'Agaba Traoré. C'est ici qu'on appelle le puits sacré, on dit à Bamana, on dit Dougle Minkolon. Là où je suis assis, là, c'est l'appel de la bataille de Sundiata Keïta, Soumangourou Kanté, où on a fait les serments avant de commencer la guerre des Taboum. Ces nombreux sites historiques et touristiques, à savoir l'Arche de Kamandian, les chutes d'eau de Djindjeni, sont des lieux d'immersion pour beaucoup de visiteurs, particulièrement les élèves et les étudiants pendant les week-ends. J'ai remarqué beaucoup de choses par rapport à cette visite, puisque je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport à ça, à l'histoire du Mali. Par exemple, les hulles, on nous a montré beaucoup de choses, les anciennes choses. Et Sundiata Keïta, on a parlé de ces choses-là. Ce qui m'a marqué dans l'école, il nous a enseigné théoriquement les choses ancêtres que nos ancêtres nous ont laissées, mais on n'avait pas vu. Bon, maintenant, je peux dire que je suis ravi de voir ça aujourd'hui. Et puis, je les encourage, ceux qui surveillent les lieux. Comme ici, on est là tout près du puits sacré. Que Soumangourou et les Sundiata qui ont bâti ce puits-là. Donc, vraiment, on remercie très bien les autochtones de ce quartier. Selon notre guide d'Agaba Traoré, considéré comme le gardien du temple, l'eau de cette puits, appelée en Bamara Dougle Minkolon, sert à boire aux habitants de Sibi et aux visiteurs. Tu peux boire, mais il y a des temps, quand tant de poussière là, on ne donne pas quelqu'un, il y a trop de poussière. Mais s'il n'y a pas de poussière, on peut donner quelqu'un à boire. Si tu n'as pas à boire, tu laves son figure, laves sa main, tu demandes Dieu, il n'a qu'à faire ça. Ces sites, comme d'autres à l'intérieur du pays, méritent une protection pour les générations à venir.